Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gages s'est introduit dans le palais où je suis né et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluez tous Sa Majesté impériale, Émilie Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Émilie. J'ai l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais, parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu, le duc de Cerconos. Ramsay dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens, intéressant. Monseigneur Lucas Abel, duc de Cerconos. Les soldats mécaniques? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramsay? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote, Cerconos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir, la famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, votre impératrice légitime, Delilah Caldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur? Ma très chère nièce, bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur Yuorn Jacob Caldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Émilie Caldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Caldwin. Protecteur royal. Comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous.
votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez Emily Caldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Ne peut rien contre moi. Pour un homme de ton âge. Depuis combien de temps dissimules-tu la marque de l'Outsider ? Ça doit être une histoire fascinante. Je vais l'enfermer dans les appartements de l'impératrice. Il ira au bagne de Coldrick où il attendra son procès. Mon père, Durpen, c'était ça au faire la manche, quand je pense que je vous ai oublié. Corvo Atano, fils d'un marchand circonien. Capitaine Ramsay, j'ai entendu des cris. Seigneur Corvus, que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayhew. Non ! La fameuse épée du protecteur royal, hein ? Et qui se plie aussi facilement. Compte au sein de la garde qu'il existerait une salle sécurisée dans les appartements de votre fille, avec assez d'or pour acheter toute une île. Et on dit que ceci est l'une des deux seules clés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alexis, la salle du trône. Emily. Je ne peux rien faire. Il faut que je sorte d'ici. Dès qu'on commence à se sentir bien à Dunwall, la situation dégénère. C'est toujours pareil. Delilah m'a pris la marque de l'Outsider. Je n'ai plus aucun pouvoir. L'impératrice Emily va bien. Il y a eu un coup d'état. Emily est... Elle est prisonnière, en quelque sorte. Il faut que vous quittiez la tour. Essayez par la salle sécurisée d'Emily. Il y avait un capitaine sur les quais qui vous cherchait tout à l'heure. Fuyez et sauvez Emily. Je suis désolé, Capitaine Mayhew. Adieu. Ces salopards travaillent pour Ramsay et le duc de Cerkonos. Chien parjure. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui vous... C'est pas vrai. Adieu, Ramsay. Abattu pour être resté fidèle à Emily, l'ennemi ne connaît aucune pitié. Regardez cet endroit. Massacre gratuit. Ils vont payer.
Mais avant, je dois me ressaisir, loin de Dunwall. Enfermé à l'intérieur. Rien ne m'empêchera de te ramener sur le trône, Emily. Sokolov a conçu cette serrure. Emily dormait ici, après la peste. Je ferais bien de prendre ça. Je suspecte le tueur de la couronne d'être lié au coup d'état de Delilah. Je repars en chasse. Combien de gens avaient oublié ce masque ? Le temps d'y voir plus clair, il faut que je fasse profil bas. Il faut que j'arrive au quai. Il faut que je quitte Dunwall. Qu'ai-je faire pour retrouver Emily ? Qui devrais-je devenir ? Tu ne mérites pas de porter l'uniforme de la garde. Cette ville grouille d'hommes du duc. Il faut que je trouve un navire. J'ai une mauvaise nouvelle. Ramsay est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Corvo Athanos s'est échappé. Il faut le retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous. Retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Cerconos pour le meilleur comme pour le pire. Corvo Athanos. Vous n'irez nulle part. Prends ça.
Kiela, désolée de t'avoir manqué. Je vais emmener les enfants loin de Dunwall plus tôt que prévu, quelques semaines avant l'anniversaire de la mort de l'impératrice Jessamine. La situation va bientôt dégénérer, et je ne parle pas uniquement du tueur de la couronne. En plus, il y a de l'argent à se faire en amenant des mineurs d'argent dans le sud. Je dois organiser tout ça. On se revoit bientôt. Citoyens de Dunwall. Votre attention, citoyens de Dunwall. À partir d'aujourd'hui, Delilah Caldwin est notre nouvelle impératrice. Gloire à Delilah, première. Tu vas crever! C'est Corvo Atano. Je me mêle de mes affaires. Je ne connais pas ce navire, mais le capitaine acceptera peut-être de m'aider. Je vais faire. Montre-toi. Protégez-moi. Hey, qui est ? Aidez-moi ! Quelqu'un est mal en point. Envoyez de l'aide. C'est le protecteur royal. Non. Vous savez ce que vous avez à faire. Ce sera vite terminé. Où est-ce que vous allez comme ça ?
La route est barrée. Je ne connais pas ce navire, mais le capitaine acceptera peut-être de m'aider. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas mon problème, citoyenne. Un conseil, rentrez chez vous. N'hésitez pas, je vous ennuie par là-bas. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous n'irez plus. Il est blessé, achevez-le. Que quelqu'un vienne. Vermine. C'est Corvo à Thanos. Pas de pitié.